Bonjour à tous, c'est Ange Féminin Masculin 2 et on se retrouve pour un nouvel épisode, enfin pour la suite de Torchlight. Alors j'ai fait quelques recherches hein, depuis pour essayer de nommer les différents donjons qu'on allait rencontrer, enfin les différents niveaux, les différents environnements qu'on allait rencontrer dans le jeu. Et donc il y a déjà des noms hein, prédéfinis bien sûr. Alors là, on est dans la tombe du mort-vivant qui est aussi appelée la nécropole. Bah, d'ailleurs c'est marqué là, vous voyez, en haut à droite, la nécropole, étage 5. Floor 5, ouais c'est ça. Donc voilà. Donc on continue. Alors attendez. Ah oui, alors j'ai trouvé aussi là, j'ai vu qu'on pouvait... On pouvait afficher les noms des objets directement, donc c'est bien ce que je pensais. Je me disais aussi, je me rappelais qu'on pouvait cliquer sur une option, donc c'est ça. Voilà, on clique sur la loupe et vous voyez, ça marche, vous voyez, on voit l'urne. Voilà, donc c'est impeccable. Voilà. Ah oui, puis j'ai acheté un nouveau casque, donc du coup, je pense que vous allez m'entendre beaucoup mieux. Peut-être qu'après, je vais pouvoir augmenter le... Merde, attendez. Ah, je suis désolé. J'avais pas mis le chrono, bon ça commence encore. J'avais préparé mon portable mais non, j'ai oublié de le mettre. Bon, c'est pas grave. Alors, il n'y a rien d'autre. Ah, je suis sûr qu'on peut ouvrir là. On peut ouvrir quelque chose ici, un truc, mais alors comment faire? Il y a un truc là, non? Ouais, je pense que ça va s'ouvrir peut-être ailleurs. Je vais voir. Ça, il y a toujours un problème à acheter que je suis là. Bon, on va aller là, on va... laisser l'autre faire son boulot. Après tout, faut que mon familier bosse un peu. Alors ça, par contre, vous voyez, ça me fait marrer les marchands qui se retrouvent là. Bien sûr. Vous voyez, les monstres qui nous tuent, mais alors, par contre, lui, il le tue pas. Ça me fait quand même bien marrer, parce que c'est complètement improbable. Ah oui, et puis d'ailleurs, j'avais un petit peu avancé pour essayer quelques petits trucs. Enfin, j'avais avancé, j'ai avancé de quoi, on va dire, de 10 mètres hein, dans le jeu. On est vraiment en plus. Et j'ai du coup récupéré une arme, celle-là, qui fait pas mal de dégâts d'ailleurs. Et en plus, elle a une vitesse moyenne. En général, les bâtons, c'est plutôt lent, voire très lent. Et là, c'est moyenne, donc c'est génial. Oh là, ça m'a ramené du people, tiens. Ce qui s'appelle un corps piégé, on va dire. Voilà. Que j'expédie. Ah non, j'expédie pas du tout, il y en a encore, mais ça n'arrête pas là. Voilà. Encore? Mais barrez-vous là. C'est bien, mais il y a un moment, hein, faut un peu me foutre la paix quand même. Voilà. Bon bah j'espère que vous allez quand même mieux m'entendre avec le casque. J'ai fait des essais un petit peu hier à la va-vite et il me semble quand même que le son était vraiment très bon. Oui bah tiens j'ai qu'à faire voilà. C'est quoi ça? Apprendre à invoquer des zombies. Ouais les zombies sont trop lents. Waouh. Alors attendez, est-ce que garde glacée de venin? Alors est-ce que c'est un bâton qui envoie des projectiles ou c'est un bâton pour le corps à corps? Parce que ça me met à une main mais... Je serais tenté de dire que bon j'aimerais bien l'acheter. Elle vaut combien? 1300. Bon je vais déjà vendre tout ce que j'ai là hein. Voilà, hop, impeccable. Oh là, j'ai ramassé plein de trucs là. Purée. Ah oui, ça faut que je l'enlève. Ça du coup je m'en fous. Alors attendez, je vais en profiter pour du coup identifier un peu tout ce que j'ai. De force, quête de poison. On s'en fout. Ah tiens, un sceptre, ça m'intéresse, c'est pour moi ça. 42, ouais, ça fait pas beaucoup et en plus c'est là, c'est très très faible comme attaque donc non. Lance, on s'en fout. Un autre cuivre, on s'en fout. Ça je le garde pour récupérer les gemmes. D'ailleurs je pourrais le faire maintenant, je vois pas ce que j'attends là. Je suis bête, je suis pas dans un donjon, je peux aller en ville. Bon, j'ai combien d'argent? Allez, on va essayer en espérant que je ne sois pas planté. Ah, pas planté. Pas planté, et ça fait pas mal de dégâts donc du coup. On va voir si je le fais remplacer par ça. Non, ça change rien. Par contre, c'était... Ouais, slow attack. C'est dommage, mais ça fait beaucoup de dégâts, donc c'est pas mal. Attendez, je vérifie un truc. Ouais. Bon, allez. Hop. Voilà. J'ai bien
bien envie de le garder, ça. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de le garder. Oh, 12 de poison. Ouais, non, remarque. Non, allez, je le vends. C'est pas la peine de m'encombrer d'objets que je ne sais, que je n'utiliserai plus. Voilà. Non, mais... Voilà. Alors, les... non, armure, c'est ce que j'ai vendu moi-même. Et quoi d'autre? Ça, c'est quoi? Ambre, naga, parchemin... Ouais, bah, parchemin, j'en ai. Allez, c'est bon. Allez. Alors, ça a pas ouvert un truc là-bas? Je suis sûr qu'on pouvait ouvrir ça, là. C'est le genre de grille qui s'affaisse quand on baisse un levier ou quand on tue certains monstres, mais là ça fait rien. Bon, c'est dommage. Allez, on continue. Alors, hop, hop, hop. Vous voyez, c'est très linéaire, hein. C'est vraiment pas ouvert. C'est-à-dire que c'était pas le genre de hack and slash où on peut aller un petit peu où on veut. Non, c'est vraiment linéaire. Il me semble que dans le deuxième Torchlight, ce sera moins linéaire. Moi, j'ai vu quelques images. C'est vrai que ça a l'air d'être beaucoup plus ouvert quand même, hein. Et puis apparemment les lieux sont deux fois plus grands, ce que j'ai compris. Merde, non. Puis bien sûr lui il s'y met en plein dedans. Parce qu'après il me contamine, vous voyez, il avait une sorte de sorte de nuage, un petit peu de poison, et après ça me contamine aussi, donc bon. On va éviter de s'approcher. Hop. Y a rien. Et ben on continue s'il n'y a rien. Câble. Voilà. Ah, ils sont violents mes bâtons, ils sont bien. Hein. Quand j'ai plus de mana, si j'ai pas trop envie d'utiliser ma mana, c'est vrai que les bâtons sont bon recours. Ah, c'est bien de voir tout de suite les objets d'un coup au lieu d'appuyer sur Alt tout le temps, c'était pénible ça. Ah, super. Ah, ça y est, les lags sont revenus, c'est dommage. La précédente vidéo, il n'y en avait plus, là c'est revenu, bon. Ouais, c'est dommage. J'ai enlevé quelques options quand même d'affichage pour que ce soit justement plus fluide, mais apparemment bon. Niveau inférieur, ouais. Ah, mon familier il est déjà en bas. Ah oui, alors j'ai découvert ce que ça voulait dire fleeing là. En fait, to flee apparemment c'est se replier, un truc du genre. Donc en fait mon familier fuit et il panique. Voilà, c'est ça. Mais il meurt pas en fait, hein. C'est juste qu'il me laisse tomber, mais bon, c'est tout, hein. C'est pas y a rien de très grave en fait. Donc en fait, votre familier est en quelque sorte invincible, hein. C'est juste que bon, une fois qu'il est très blessé et très touché, il vous aide plus en fait. Il est inutile, mais enfin bon, il peut pas mourir, donc voilà. C'est pas très grave du coup. Ok, là y a quoi ici? Rien oublié, si là il y a des trucs. Voilà. Allez, on va en bas. J'ai rien oublié, je peux pas. Des fois il y a des petits passages secrets, on sait jamais. Bon, bah c'est parti pour le. On descend toujours plus bas. Bon, j'ai uploadé plein de la suite très vite. Je me suis dit, bon, allez. C'est vrai que j'aime pas trop quand, en général, on fait attendre entre deux vidéos. Donc, je me dis, dès que je les ai, autant les mettre sur YouTube, quoi. Bon, alors, tant que j'ai pas de commentaires sur ma façon de jouer et tout, moi, je change rien. Bon, de toute façon, même si j'ai des commentaires, je ne changerai rien, de toute façon. Mais c'est vrai que, comme on me dit pas si je joue bien, si je joue pas bien, bon, je pense que je me débrouille quand même pas trop mal. C'est vrai que ça pourrait être plus nerveux, mais bon, mon but c'est pas de faire un speedrun, hein. C'est vraiment de m'amuser et puis de vous faire profiter du jeu aussi. Oh, réputation. Super. Ah, réputation, et du coup j'ai même gagné... Ah, mon inventaire est full. Alors, pas assez puissant, ça je m'en fous. Concentration, non, ça m'intéresse. Ça je m'en fous. Vous voyez, là je vous ai dit, il y a beaucoup d'objets après. Ah... à identifier, donc ça va très vite. Je vais devoir faire ça. Dommage. Non.
c'est bon. Alors, hop. Y'a rien là? Non? Allez. Ah, y'a. Peut-être augmenter mes points, moi. Qu'est-ce que j'attends? Ah, je peux pas l'augmenter, ça c'est dommage. Bon, bah je vais augmenter mon bouclier. Non, allez, le bâton. Et d'ailleurs, le bouclier, je vais l'activer. Voilà. J'avais oublié de le faire. En plus, ça m'éclaire, j'aime bien. C'est sympa. Une lumière dans la nuit. Lampe torche, mais magique, vous voyez, c'est magique et puis assez conséquente, hein, parce que là, c'est pas la petite lampe torche de merde. Ah, j'ai trouvé un... Vous avez vu, hein, il y a eu un petit bruit, j'ai dû trouver une cachette. Et je pense que c'est le levier, parce qu'il n'y était pas, il me semble. Voilà, c'est ça. Alors, les coffres, en général, il y a la moitié... Il y a un coffre sur... au moins un coffre qui est un coffre agressif. Non? Oh, le bol. Ah, voilà, si, oui, mais il y a des monstres. Voilà, c'est ça. Ah, si j'ai fait du level up, c'est bien, tout ça, c'est bien. Alors, bah du coup... Ah, impeccable, je vais pouvoir augmenter ça. Ah oui, alors je pensais peut-être... Qu'est-ce que je voulais faire déjà, c'était... Ah, je peux... Ça y est, j'ai des nouveaux sorts ici. Ça, c'est très très intéressant. Alors, j'aurais bien invoqué un golem. Ça me ferait un allié en plus. Et du coup, comment dire, un autre personnage qui attirerait l'attention des monstres. Et donc, ce serait pas mal. Ça, ça m'intéresse pas. Ça non plus. Alors, ça m'intéresse. Et ça. Parce que ça fait beaucoup de dégâts. Ça coûte pas beaucoup de mana. Et du coup, pour les boss, pour les gros boss, ce serait quand même assez pratique d'utiliser ce genre de sort. J'ai bien envie de l'essayer. Allez, attendez, c'est quoi ça? Ah oui, c'est ça qui est important aussi. Non, je vais d'abord prendre ça. Voilà. Ça, c'est... Plus vite j'aurai de l'expérience, plus vite j'aurai des points à attribuer. Donc...